Donc aujourd'hui, on est à nouveau joué, c'est un jour merveilleux. Pourquoi ? Bon, il y a un trou dans mon toit, faut que tu vois. C'est un bon trou. Brigada. Brigada. Oui. Hey, c'est ton bourrin qu'on a monté trop. Aïe. Meu olhar pega lá embaixo. Pega lá embaixo. Não. Et bientôt, il y aura exactement la même chose qu'ici. Que loucurais. Si on tournait, t'as laissé ton poste en éveil. Tu vas demander pourquoi, pas voir si tout se passe bien chez moi. Ta femme, je... Bah, pour ne pas déranger Laetitia. Voilà, nous on veut pas te déranger, c'est comme ça qu'on a accueilli. On peut rien dire, je suis trop vieux, trop fragile, trop précieux, j'ai 100 ans qui meurt. Tu vois, c'est ouf comment ça marche, comment ça marche et ça se vérifie toujours le cycle. Je vais avoir mes règles là dans quelques jours, on est le 3 mai, donc dans pas longtemps. Et en fait, juste avant mes règles, j'ai une période un peu de surexcitation. Tu sais comment je suis un peu folle là, je fais tout le ménage, nanana. Bon, aujourd'hui, j'étais pas en mode ménage, mais j'étais en mode, je règle tous les trucs que j'ai à faire, ma comptabilité, mes trucs, mes papiers, les machins. Depuis deux jours, je suis comme ça, j'ai monté plein de vidéos hier, là j'ai fait tous mes trucs, ce soir je vais encore monter des vidéos, tourner, j'imagine demain et tout. Et j'ai toujours ça avant mes règles. En fait, c'est vraiment un cycle d'énergie dans ton corps et quelques jours avant, genre un ou deux jours avant, je suis défoncée et il y a le moment avant ça où je suis un peu triste ou nette et tout. Et c'est génial parce que quand tu comprends ton cycle, à 38 ans maintenant je l'ai compris, tu vois, quand tu comprends ton cycle, ben, tu arrives vraiment bien à identifier ces moments-là et à en profiter. Exemple, quand je suis dans le moment où vraiment je suis très basse au niveau de l'énergie, je sais qu'il n'y a rien à faire, je pourrais pas travailler, donc je fais autre chose, je pars, je vais à la mer, machin, je me casse et je fais rien, je force pas, tu vois. Quand je suis dans ce truc-là d'énergie, je sais que là c'est maintenant de suite, là je sens que je vais avoir mes règles. Je pense demain, après-demain, je te le redirai dans les vlogs. Et je sais qu'il faut que j'en profite de suite, parce que c'est maintenant que j'ai toute l'énergie pour faire tout ce que j'ai à faire. J'ai des moments aussi où je suis hyper créative, ça va être un peu après mes règles, quand je vais être en ovulation. Là, je vais être super créative, je vais avoir envie de faire plein de trucs et tout. Bref, c'est trop bien. Et ça me, quand je suis comme ça, ça me crée un truc où je suis bouillonnante dedans. Tu sais, je suis comme ça. Et je fais mes trucs. Ta, 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 ta. Voilà. Si j'avais eu du ménage à faire, peut-être que j'aurais mis mon énergie dans le ménage, mais ma maison est rangée. J'ai qu'une pièce à ranger. J'avais la flemme, j'étais plus dans ma compta. Mais c'est cool, hein. C'est vraiment cool. C'est pour ça que c'est important les règles, c'est important quand on connaît nos règles, notre corps, notre cycle. J'aurais bien aimé savoir ça quand j'avais 20 ans, tu vois, mais on me l'a pas expliqué. Autre chose, tout à l'heure, il y a les mecs de l'électricité qui sont venus pour couper mon électricité parce que j'avais pas payé. Enfin, ils croyaient que j'avais pas payé. Heureusement, hier, j'ai enfin réussi à payer mes factures toute seule. Donc, je ne serai plus en retard, ça ne se reproduira plus. Et. J'étais très fière de rentrer mes petits papiers, tout payé, nanana, mes petites factures. Ils ont tout vérifié, tout allait bien, donc ils n'ont rien coupé. Et donc au Brésil, c'est ça. C'est quand tu payes pas, en gros, tu reçois ta facture
T'as une date pour payer, si tu payes pas, t'as direct une amende, ce que nous vraiment on n'a pas en France. Mais si t'as direct une amende qui arrive sur la prochaine facture, c'est une amende de 10-15%, un truc comme ça, c'est beaucoup. Hein. Et si tu payes pas dans les 3 mois ta facture, direct c'est coupé. Il y a pas de cinéma, il y a pas de trêve hivernale, il y a pas de machin. Ils viennent chez toi, ils sonnent. Sauf que quand ils viennent chez toi, ils te donnent quand même cette possibilité que si tu as les sous, tu veux payer par CB, machin, par n'importe quoi, tu payes et c'est bon, ils coupent pas. Et on m'a dit aussi, ça peut même marcher sur la confiance où tu dis, bon, écoute, là, je peux pas payer, mais je vais payer tel jour, nanana. Ils te disent, ok, et repasse si jamais t'as pas payé. Mais pour les Brésiliens, c'est quand même un gros stress parce que nous, avant qu'on nous coupe l'électricité en France, il en faut quand même beaucoup. Selon là où tu habites, c'est quand même assez rare qu'on te coupe réellement l'électricité. Tu vois, si t'habites dans un HLM, je crois pas qu'on te coupe vraiment l'électricité. Quand t'habites dans du privé, je sais pas si EDF ils mettent pas 1000 ans avant de te couper. C'est long, tu vois, c'est des procédures. Ici non, 3 mois, bam, tu payes pas, bam. Tu payes pas le mois d'après, t'as des amendes. Regarde, moi j'ai plein d'amendes. Attends. Alors ça c'est mes factures d'eau qu'il faut que je paye. J'ai mes nouvelles factures à payer là du mois d'avril. J'ai été sélectionnée. Et donc, regarde. Ah non, c'est pas 10%, je suis vraiment une rajouteuse, c'est 2%. Bon, je suis une rajouteuse. Et tu vois là, j'ai eu une amende de 68 euros, une amende de... Ah non, c'est quoi? Ah non, j'ai eu une amende de 10 réals, 1 réal, 8 réals, 2 réals, 26 réals, et là, 7 réals, 3 réals. Pour les Brésiliens, c'est beaucoup d'argent. Donc voilà, bon. Mais je vais m'en sortir, je vais payer toutes mes factures. Là, c'est mes factures qu'il faut que je paye. Je vais être une bonne citoyenne et payer mes factures en temps et en heure. Ce que je n'ai jamais fait en France, parce que vraiment, je suis le genre de meuf qui oublie de payer toutes les factures. Mais ici, je le fais. En plus, ils mettent la pression, là, ils viennent couper l'eau, je peux pas. Je retourne à mon travail. Le perroquet est fou aujourd'hui. Alors d'ailleurs, en parlant du perroquet, j'ai appris plein de trucs, j'ai parlé avec le voisin. J'ai découvert que le perroquet est une perroquette, finalement. Qu'elle a 20 ans et qu'en fait elle est libre, elle peut sortir. Il ouvre sa cage, j'avais jamais percuté et des fois elle sort. Et je me suis posé la question parce qu'un jour je vois qu'elle est dehors et je me dis, oh, elle va enfin s'enfuir et tout. Et le voisin m'a expliqué qu'en fait, la perroquette avant, elle faisait sa life, elle volait comme ça et elle revenait vivre là, mais que maintenant elle est vieille et que du coup elle sort plus vraiment de sa cage. Et donc elle n'est pas enfermée, ce qui est plutôt cool. Et dans sa cage, il y a aussi une tortue qui vit, un iguane. Et le voisin, en fait, il me disait qu'il les sortait tout le temps et je l'ai vu les sortir et tout. Chose que je n'avais jamais encore vue. Donc j'étais plutôt contente. Mais c'est vrai que la perroquette, c'est bizarre, tu vois. Des fois, franchement, on ne l'entend pas. Et des fois, elle hurle toute la journée. Et là, genre le voisin, il parle avec elle. Et donc elle crie et il parle avec elle. C'est plutôt bien. Ça fait 20 ans qu'il s'en occupe. C'est la vie, hein, faut faire avec. On a allumé l'église pour toi quand même. J'espère que t'es contente. Nous sommes au départ. C'est férié demain. Allez, Bichette. Bisous. À bientôt, tu nous envoies un message quand t'arrives. De moins en moins nombreux. Ouais, et c'est toujours dur pour la dernière. C'est dur pour la première et c'est dur pour la dernière. Moi, je suis au milieu, tu vois. Je suis une petite balance. Je suis tout au milieu d'un truc comme ça. Papa est à Kansas, donc papa il en a. Il est fatigué, ça brille. Tous les mois, son cœur il se brise. Oh. Ouais. Allez, maman. Oh, il est là. Oui, familia. Samba. 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 C'est en colère que tu t'en as. Tu veux qu'on monte sur la voiture, nous aussi? Ouais, on va monter. Non, nouveau catamache.
O coração é desse tamanho, aí vai arrancando um pedacinho. Aí a pouco tá partindo. Beijo! Tchau! Allez, elle passe à autre chose. Allez, une deuxième. Allez. Bisous. Bisous. Au revoir. Allez. Ah, salut, Clara. Salut. Ciao. Rentre bien en France. Bon, j'ai faim. J'ai envie d'un gratin. Un peu genre gratin dauphinois. Du coup, je vais faire un truc qui ressemble. Et j'espère que je serai aux âmes. J'ai un petit truc. On n'a pas des grosses ambitions. Je vis tout seul. Tranquille. Maman, tu fais du lait de soja. On va faire ce lait. Je fais du lait de soja. Lait de soja, muscade, beurre. Pas bien compliqué, hein. J'ai juste un peu peur que le goût du soja il soit hyper prononcé. Mais on verra. Je vais vérifier la recette, on sait jamais. Alors, du lait, de l'ail, du sel, du poivre, de la muscade. Je mets les pommes de terre, j'ai fait cuire dans 15 minutes, après je mets ça. Alors, dans un plat gratin. C'est très bien. Simple, facile, efficace. On va voir ce que ça donne. Je suis choquée, c'est excellent, c'est bon. Il n'y a rien à dire, c'est bon en fait. C'est simple, c'est bon. Je suis heureuse.